Fais-la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! Bonjour, grand-mère Chloé! Oh, je vois que vous êtes au zoo avec les mini-bellies! Oh, vous allez vous amuser aujourd'hui! Si vous avez besoin de moi, surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler! Oh, ma chérie, qu'est-ce que c'est que cette jolie voix que tu as aujourd'hui, hein? C'est ravissant, tu as changé, non? Oui, effectivement, nous, les baguettes magiques, nous sommes comme ça. On peut changer de voix quand on veut! À bientôt! Eh, bonjour, grand-mère Chloé! Vous n'avez pas trop peur d'emmener les mini-bellies au zoo? Ils sont quand même très coquins et ils pourraient faire quelques bêtises, non? Monter sur un dos de zèbre? Oh, écoute, je sais, ma chérie, mais les bellies sont allées, leurs grands frères et sœurs sont allés à l'école et ils étaient tellement ennuyés, c'est cela que je me suis dit, bon, moi j'ai un abonnement de retraité, je rentre gratuitement au zoo, et aussi, on va aller y faire un petit tour. Et puis tu vas m'aider, frère ta petite fée, tu ne vas pas me laisser toute seule, n'est-ce pas? Tu vas m'aider à faire la visite. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, grand-mère Chloé, je veux bien vous aider, mais je m'inquiète déjà. Je vois par ici Mini Mouak, je vois Mini Pinky, je vois Mini Yummy, mais où est Mini Boo? Oh, Mini Boo? Mini Boo? Oh là là, Mini Boo! Oh mon dieu! C'est pas vrai, Mini Boo! 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 C'est pas possible, il est où est-il, Mini Boo? Enfin, Mini Boo, ça ne va pas de prendre la voiture de grand-mère Chloé comme ceci? Oh, le chenapan! Ce n'est pas possible! Sors de là! Vite! Allez, hop, 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 hop! Tu sors de là! Oh, grand-mère Chloé, allez vous garer pendant que je garde les enfants. Oh, merci, ma chérie! Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait en les amenant aux zoos? Quelle bêtise! Bien, les enfants, écoutez. Le zoo, c'est formidable. Il y a plein d'animaux magnifiques. Par contre, attention, il y a des animaux dangereux, donc il va falloir toujours écouter les recommandations du moniteur, de grand-mère Chloé ou les miennes. Bien, je vois que vous êtes d'accord, j'espère bien, je vous fais confiance, attention, je vais voir ce que fait Yummy Yummy parce qu'elle est bien sage à mon goût. Mais enfin Yummy Yummy, tu ne peux pas manger la paille des animaux. Oh là là, Yummy Yummy, enfin, c'est la paille pour les zèbres, les chevaux. Non, tu ne peux pas la manger. Toi, tu as ton biberon, et ce n'est pas pour rien. Laquelle chipie. Bon, attention, Yummy Yummy, hein. Je ne veux pas te voir recommencer. Toi, oui, d'accord, toi, tu bois dans ton biberon. Et puis tout à l'heure, je ne veux pas te voir manger la nourriture des singes, hein. Il y a les bananes, les fruits. Non, 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 c'est à eux. Oh là là. Bon. Hey, Pinky Twink Bobby Boo, je vois que vous avez trouvé la salle où on soigne les animaux. Oh, je vois que Bobby Boo s'occupe très bien d'un petit singe. Oh, il est adorable. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est parce qu'il est trop jeune. D'accord. Alors ici, nous avons les vitamines pour zèbre, girafe, tigre, koala, singe. Et ici, nous avons les lémuriens. Eh oui. Ah, j'adore tous ces animaux. Ah, Pinky Twink sort donc de cet enclos. Je suis sûre que tu y es arrivée en sautant, hein? Cet enclos est utilisé pour mettre les animaux qui sont malades. Comme ça, les autres ne les dérangent pas. Ils ne peuvent pas attraper ce qu'ils ont. Ils sont beaucoup plus tranquilles ici. D'accord? Bon, vous ne bougez pas d'ici. Je vais voir ce que fait Mouak Mouak. Je reviens. Oh, Mouak Mouak, tu as trouvé un zèbre. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça, on dirait un cheval avec un pyjama tout rayé. C'est pour ça que ça te plaît, hein? Mouak Mouak. Ouais. Oh, bon, prends bien soin de lui et ne le noie pas trop sous tes bisous, hein, d'accord? Voilà, très bien. Mouak Mouak. Sois toute douce. Non, Mouak Mouak, descends, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Ah, et oui, tu ne peux pas monter sur les animaux, il faut les respecter, il n'a pas envie. Très bien, ça te dit qu'on aille voir les lions? Les lions sont très dangereux, mais très intéressants. Allez, on y va. Oh, ça y est, j'ai enfin garé la voiture. Oh, il y avait un monde fou, au moins 300 millions de personnes sur ce parking. Je ne savais pas où me garer. Oh, une catastrophe. Oh, les lions. Oh non, les lions, moi, ils me font un petit peu peur. Avec toute cette crinière comme ça qu'ils ne brossent pas. Oh, ils seraient beaucoup plus mignons avec une barrette ou un chouchou dans les cheveux, un élastique, quoi. Je pourrais les coiffer, moi, s'ils voulaient, hein. Si ils n'étaient pas si sauvages, hein, je pourrais les coiffer. Oui, mais grand-mère Chloé, non. Les lions sont extrêmement sauvages. On les appelle les rois de la jungle. Regardez comme ils sont majestueux. Mouak Mouak, ne t'approche pas trop de l'enclos, s'il te plaît. Enfin, tu ne peux pas embrasser les lions, d'accord?
même si tu les aimes beaucoup. Ils sont sauvages, ils aiment bien être tranquilles. Pas de bisous au lion. Oh, et juste à côté, nous avons un éléphant. Il est superbe. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Ah, apparemment, Bobby Boo adore les éléphants. Voyons voir ce que nous avons à côté. Waouh, une girafe! Oh, et apparemment la girafe adore Bobby Boo. Qu'est-ce qu'elle est belle avec son cou si long pour attraper les fruits et les feuilles très très haut dans les arbres. Oh, qu'est-ce que c'est pratique! Oh, j'adore les girafes, elles sont si mignonnes. Ah, l'estomac de Yami Yami nous rappelle alors. Apparemment, vous avez faim. Allons à la cafétéria. Oh, bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à notre cafétéria du zoo. Alors, aujourd'hui, au menu en plat principal, nous avons un hamburger maison fait avec simplement des produits biologiques, de la viande extrêmement bonne et de la salade. Tout est biologique, sans conservateur, sans colorant. Oh, ma chérie, écoute, très bien. Mets-nous, du coup, des hamburgers, des bouteilles d'eau et ça fera l'affaire. Ce sera parfait. Très bien, madame, je vais vous préparer ça. Oh. Et voilà les bouteilles d'eau. Hop, une, deux, trois et quatre bouteilles d'eau. Attendez, hein, les hamburgers arrivent, d'accord? Ma chérie, est-ce que tu pourras mettre, s'il te plaît, un café en plus, quelque chose? J'ai faim aussi. Oui, bien sûr. Oh, merci, tu es un amour, 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 amour. Bon, alors... Et voilà, les hamburgers arrivent, ils sont là. Alors, je suis désolée, pour l'instant, il n'y en a que trois. Le reste est en cuisine, je vais aller les chercher, d'accord? Bon, donc voilà, je reviens tout de suite. Hein. Mais enfin, Yami Yami, qu'est-ce que c'est que cette crise? Ça ne va pas, la tête? Oh, on doit attendre que tout le monde soit servi. Et ne t'inquiète pas, la dame va apporter la suite. Oh. Tu ne veux pas attendre? Eh bien, il va quand même falloir attendre, mademoiselle. Oh là là, dans quel état elle s'est mise. Je vais chercher ce qui reste, je reviens tout de suite. Ouh là 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 là. Alors voilà, le premier hamburger. Hop. Ensuite, le deuxième. Juste là. Ils ont l'air délicieux, ça sent bon, ça me donne faim tout ça. Le troisième hamburger. Voilà. Hop là, super, on va attendre la suite maintenant. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est encore parti? Hein? Bobby Boo, Mini 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 Boo. Mais où est-il? C'est pas possible, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est encore parti? Mini Boo! Oh, tout à l'heure, il a dit qu'il adorait les lions. Oh, j'espère qu'il n'est pas. Oh! Oh! Sauf qu'il peut. Il a ouvert l'enclos des lions. Courez, courez, les lions sont dehors. Oh, non, 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 vite. Fuyons, allons-y les mini-belly. Allez, tout le monde s'en va, tout le monde s'en va. Oh là 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 là, c'est pas possible, Mini-Boo a laissé les lions sortir de leur enclos. Oh, heureusement que tout le monde a pu trouver une cachette, hein. Oh là 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 là, n'importe quoi, Mini-Boo, je savais que c'était une mauvaise idée de les emmener au zoo. Regardez, Mini-Yami, eh bien, dans une cage, à l'abri, grand-mère Chloé, ça va. Oh, ma chérie, je suis terrifiée, je suis terrorisée, j'ai trop peur. Bon, eh bien, restez là, ne bougez pas, ne bougez pas. Ensuite, Mini-Pinky, Mini... Oh, tu es là, ma chérie. Oh, c'est une très bonne cachette aussi pour un kangourou dans ton genre. Qui avons-nous encore? Notre mini moi qui est juste là, avec ses petits seins juste à côté. Oh oui, et Mini Boo, où est-ce qu'il est Mini Boo? Mini Boo, tu ne veux pas que les lions te dévorent quand même? Mini Boo, où es-tu? Bobby Boo! Regardez-moi ça! Mini Boo est arrivé en courant, il a fait peur au lion, il lui a pété dessus, le lion s'est réfugié dans sa cage. Oh, ça devait vraiment sentir très 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 mauvais, hein. Mais alors, Mini Boo, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça enfin? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as pas eu peur? Oh, tu voulais manger tout l'hamburger et comme il n'y en avait pas un pour toi, tu étais fâché? Oh, le coquin. On va voir Mini Yami quand elle va sortir. Elle va... Oh oh. Elle s'en rend compte, je crois. Bon,
Ne t'inquiète pas, Mimi-Ami, on va voir que tout est en ordre dans la cage des lions. Et une fois que tout est parfait, tout le monde pourra sortir et tout le monde pourra manger. Oh, quel aventureuse! Oh là là, les copains, je crois que grand-mère Chloé ne va pas sortir de cette cage avant quelques années. Oh, il n'en est pas question, je ne bouge pas d'ici. Bon, si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime. Tu peux écrire en commentaire quel est ton animal sauvage préféré. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Tu pourras voir les vidéos de Fred la Petite Fée en premier. Oh, allez, à bientôt, gros bisous.